Le temps pour toi de quitter cette forêt est venu. Je partirai nulle part. J'appartiens à cet endroit. Non. Ta mère avait fui la maison. Sous la colère, elle était venue chez nous. Parce que son père voulait qu'elle épouse un homme qu'elle n'aimait pas. Et après, elle était enceinte de ton père. En croyant que cela mettra fin à toute chose. Mais il ne savait pas que la bataille continuera jusqu'à la mort mystérieuse de ton père. Alors ta maman avait pris la fuite. Suis-je née ici? Oui. Votre Majesté, il y a quelque chose de très important que je veux qu'on en discute. Ah, c'est pour ça que tu es venu. Non, nous allons bien. Tout est sous contrôle. J'avais eu un rêve très compliqué la nuit dernière. La femme de ma vie. Tu sais que tu es la femme de toute ma vie. Je sais que je me suis mal comporté en agissant ainsi, mais pour me faire pardonner de tout ce que je t'ai fait subir en ces moments, j'aimerais assez que tu fasses quelque chose pour moi. En fait, c'est vraiment un tabou pour une femme d'un roi de s'asseoir sur ce trône. C'est vraiment une abomination parce que c'est le trône de nos ancêtres. Mais et si tu veux t'asseoir, ça ne sera pas vraiment du tout que tu t'asseyes là-bas. Ce n'est pas une bonne idée. Vraiment? Oui. Ok alors. Je ne peux pas me mettre l'air et recevoir des insultes venant de toi. Je me mettrai sur ce trône et rien ne pourra m'empêcher. Non, 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 ma chérie. Mon amour, calme-toi. N'essaie pas de t'asseoir sur ce trône. Je suis juste en train d'essayer de te protéger. Je ferai tout ce que tu voudras, tout ce que tu demanderas, je ferai. Je ferai vraiment tout pour toi. Je suis en train d'essayer de te protéger. Tu peux en ce moment me demander tout ce que tu voudras. Tu sais, tes désirs sont mes ordres. Bon, si tu veux t'asseoir sur le trône, il n'y a pas de problème. Tu peux juste t'asseoir comme tu veux vraiment t'asseoir, assis-toi. Ça vaut pas la peine. Je sais ce que je ferai après. Hé, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux t'asseoir sur le trône de nos ancêtres? Papa, abomination. Votre Majesté, vous êtes là et votre femme veut s'asseoir sur le trône de nos ancêtres. Mais pourquoi vous vous comportez comme ça? Vous êtes là et votre femme veut s'asseoir sur le trône. Tu peux dire tout ce que tu voudras. Hein?
J'ai déjà pris ma décision de les faire. Hein? Oui, et tu ne vas pas m'en empêcher. C'est une réflexe d'amour. Oui, c'est vraiment une réflexe d'amour. C'est la preuve qui montre que j'aime ma femme. Et c'est ce que je désirais le faire. C'est en fait mon choix. C'est ma manière de montrer mon amour envers ma femme. Si tu es sage ou intelligent, c'est le moment de venir vers moi. Viens apprendre comment on traite la femme. Viens apprendre comment on aime une femme. Ça, c'est le réflexe d'amour. Oui. Et maintenant, je te pose une question. 1 plus 1. Donne-moi la réponse. Majestueux. 1 plus 1 égale à 10, bien sûr. 1 plus 1 dans le mariage, ça ne donne pas 2. Raison pour laquelle je te dis, tu dois venir apprendre chez moi comment on traite une femme. Dans le mariage, 1 plus 1 est égal à 1. Raison pour laquelle, si ma femme s'assoit sur ce trône, c'est moi qui m'assois. C'est moi qui m'assois là-bas. C'est ce que les choses sont. Personne ne peut s'opposer à ça. C'est ce que moi, je décide. Ça s'arrête par là, majestueux. Est-ce que vous réalisez les sacrilèges que vous commettiez en laissant votre femme s'asseoir sur le trône? Votre majesté. Écoute, ma chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Les choses sont différemment. C'est moi qui avais décidé ainsi. C'est moi qui ai décidé que tu t'assoies là-bas et assis-toi. Majesté, comme je te l'ai mais... dit. Et personne ne va t'en empêcher. Oui, j'insiste parce que c'est moi qui ai voulu que ce soit ainsi. Ne sois pas si cynique. Copie ça et essaie de le faire avec ta propre femme. Non, regarde et vois ce que ça veut dire aimer quelqu'un de tout son cœur. Servante! Regarde comment on se comporte ici. Très bien. Regarde-moi et vois, comme je l'ai dit, c'est le trône d'amour. Et je vais prouver à quel point j'aime ma femme et je la respecte autant. Et là, je vais te montrer à quoi ressemble les signes d'amour. Ouais. Mange mon amour. En tout cas, ma chérie. C'est ça le signe d'amour. Alors, qu'est-ce qui te dérange pour ça? Hein? Mais dis-moi, ça serait tellement et trop bête de me voir m'habiller l'habit de ma femme et ma femme habiller mon habit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Dis-moi vraiment ce que ça veut dire. Hein? Votre Majesté, je suis venu vous dire que votre femme n'est pas la bonne. J'ai constaté que la reine planifie quelque chose. Et lorsque ça arrivera, je vous assure que nous allons regretter de l'avoir introduit ici. Et je... Mon roi. Ololo. J'ai tout entendu. Tu sais que Onou ne m'apprécie pas. Depuis le jour où j'ai mis les pieds dans ce palais. Mais comment tu peux faire ça, mon amoureuse? Comment tu peux te comporter ainsi à ma femme? Chef, je suis désolé que vous la preniez de cette manière, mais tout ce que je viens de dire, c'est purement la vérité. Mais arrêtons cette conversation et qu'on n'en parle plus jamais, votre majesté. Je peux vous parler en privé. C'est ma femme, tu ne peux pas dire ailleurs, tu l'es ici. Votre majesté, je suis venu vous parler de la couronne de notre royaume. Les gens de ce royaume sont en train de se plaindre du taxe que vous leur avez obligé. Et premièrement, on ne donne pas la raison valable pour cette taxe.
raison pour laquelle je suis venu vous voir, pour savoir la raison. Et alors je vais retourner là-bas, je leur dirai que vous payez les taxes pour ceci et cela. Doivent-ils connaître le pourquoi? C'est le roi qui en a décidé. C'est ça. Les choses qui se passent, c'est... Bonjour, père. Père, cette jeune femme a un problème. Elle veut vous le raconter. Si vous pouvez l'écouter, approche. Viens, parle. Votre Majesté, mon frère est gravement malade. S'il vous plaît, Votre Majesté, nous voulons un peu d'argent pour pouvoir l'aider. Il est sur le point de mourir. S'il vous plaît, aidez-nous, Sa Majesté. Alors, nous parlons de quel montant? Ce que je suis en train de dire est que je suis désolé que tu aies traversé ça. Tu es venu me parler de ça, mais je suis en train de penser à comment faire pour prendre soin de toutes choses. Je comprends bien son souci. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Je suis tellement fatigué pour agir maintenant. C'est ce que je suis en train de te dire, que je ne peux rien faire pour elle. Cette femme ici... Papa, c'est bon. J'ai quelques sommes d'argent dans ma maison. Je veux essayer de sauver sa vie. Oh, okay. Jeune femme. Merci, je vous plaît. Merci. Pas de problème. Merci. Vous devrez l'aider. Oui, j'ai compris. Donc, tout va bien pour toi. Donc, il part tranquillement pour l'aider, hein? C'est ça que tu veux dire? Ma femme, je suis tellement désolé. Je ne vais pas te mettre en colère. Il n'y a pas à s'énerver là-dessus. Tu sais, tout ce que tu me demanderais, je le ferai pour toi, hein? Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Là. Je te reviens. Oui, je te reviens. Hello, Manidia. C'est moi. Mon fils, oui. Mon fils est en train de venir là-bas à la banque. Je ne veux pas qu'il retire de l'argent. Bloque ses comptes. Ouais, bloque le compte. Bloque ses comptes. Voilà. Ok. Oui, c'est ça. Ma femme ne veut pas qu'il retire de l'argent. Voilà. Si c'est la preuve d'amour dont je t'ai parlé. Il y avait une complication à ta naissance. Et ta mère était morte quelques jours après. Elle était brûlée dans cette forêt. Selon la tradition de notre royaume. Votre Majesté, il y a quelque chose qui ne va pas. Raison pour laquelle vous voyez ces gens ici en train de me suivre. Cet homme essaye de tuer cette dame. Cette jeune femme doit donner l'argent. Sinon, elle sera morte. C'est pour ça qu'ils sont ici. C'est ça qui se passe. Oh non! Est-ce que ta tête fonctionne? Comment peux-tu te comporter de cette façon-là? Est-ce que tu raisonnes vraiment? Est-ce que ta tête fonctionne vraiment? Qu'est-ce que tu planifies de me faire? Hein? Oh non! Votre Majesté. C'est comme ça! Cette histoire n'est pas à prendre à la légère. Ce qui arrive souvent avec ton beau frère. C'est pour ça que je suis là, vraiment. Oui, jeune homme, tu es devant le roi. Peux-tu t'exprimer? Igwe, Maxwell, c'est mon ami. Alors, c'est lui. Je lui ai interdit de s'approcher de ma femme. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Mon cher, tu ne peux pas me garder ici longtemps. Tu sais très bien que j'ai quelqu'un que je dois voir. Aide-moi à travailler pour toi et les choses vont bien aller. Oh, j'avais oublié. Trop de problèmes. Pardonne-moi, mon cher. Pardonne-moi.
Mais pourquoi toutes ces excuses-là? Qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est un bon jour. Il n'y aura pas d'embouteillage. Ah, bonjour, papa. Bonjour. Lessie, comment tu vas? Je vais bien. Tu es sûre que tout va bien? Oui, je vais bien. Tu ne l'es pas? J'avais juste un peu mal à la tête, mais je vais bien. Mal à la tête? Oui. As-tu pris quelques médicaments? Non, pas du tout. Pourquoi? Rien. Tu ne veux pas me les dire? D'accord. Ok, je vais t'appeler. D'accord. Je vais t'appeler après. Prends soin de toi. Bonne fille. Hein? Elle aussi. Et tu me demandes cette fille. Toutes les filles avec qui tu es sortie, elles ne te suffisent pas. Tu veux toujours elle. Tu vois celle-ci? Elle a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial pour avoir cette fille-là. Tu vois? C'est ce que tu dis à tout moment. Laisse-moi t'expliquer une chose. Tu vois cette fille? Elle est trop approchée à moi. Je suis comme son père. Oui. Et je ne comprends pas la manière dont tu veux agir. Je ne comprends pas. En ce moment, je suis seul. On ne me permet pas d'en avoir. Ma mère veut que je me marie demain ou après-demain. Alors cette fille, elle fera une bonne femme. Regarde, laisse-moi t'expliquer. Ce que tu viens de me parler, que tu as besoin d'argent pour la scolarisation et tout ce qui va avec. Ainsi, tu es vraiment sérieux à propos de ça. Essaie de les faire. Prouve-le-moi. Ah, tu es sûr? Donne-moi ce numéro. Comme ça, je vais voir ce que je vais envoyer l'argent dans mon compte. 50 000. Ah, donne-moi ce numéro. Donne les numéros. Ok, 01. Igwe, je gère sur ma vie. Je n'ai rien à voir avec ce qu'il raconte. Personne m'a donné l'argent. Rien du tout, même pas un téléphone. Ils m'ont rien donné. Comment puis-je lui donner ce que moi-même je ne sais pas? Tu reconnais n'avoir donné aucune chose à cet homme? Rien du tout, Igwe. Tu comprends maintenant. Quelle sorte de trahison ça? Mais monsieur, tu es un criminel. Elle les reconnaît n'avoir rien fait. Igwe. Ma chérie, ce que je vais dire est que... Écoute-moi très bien. Maxwell, ma belle-fille, qui est présente ici en ce moment, ne peut pas être stupide. Maxwell ne peut pas être impliqué dans cette histoire. Et laisse-moi te dire, si tu continues, tu auras affaire à moi. Parce que je connais très bien Maxwell. Elle ne peut pas faire un truc pareil. Tu dois être l'homme intégré. C'est quoi cette histoire? Et pour cela, tu es venu me voir pour me raconter cette histoire bête. Hein? Connais-tu ce que tu fais? Est-ce que tu es vraiment au courant? Toi, tu es un escroc. Tu as créé un problème et tu veux t'acharner sur quelqu'un d'autre. Hein? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Hein? Mais qu'est-ce que tu es en train de parler? Hein? Écoute-moi très bien. Je ne veux plus entendre de cette histoire. Je ne veux plus encore te voir dans ce palais venir m'expliquer encore cette histoire. N'as-tu pas peur de toi-même en venant ici au palais me raconter cette histoire? Maintenant, écoute-moi. Je ne veux plus entendre cette histoire. Parce que si tu le fais, je veux envoyer la police te chercher. Hein? Tu m'as bien entendu. Dégage de ma vue. Dégage! Igwe. Hein? Regardez-moi ça. Toi aussi. Oui, Igwe. Tu es encore là. Lève-toi. Igwe. Je ne veux plus te voir. Disparaissez. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les problèmes. Il fallait au moins appeler Maxwell pour demander si c'est vrai ou pas. Sois un homme. Je sais ce que je dis. Toi, tu crois vraiment ce qu'elle dit? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu es en train de discuter avec moi? Où est ton problème là-dedans? Pourquoi? Sois un homme! C'est pas comme ça qu'on réagit!
Attends, viens. Il y a une chose très importante qu'on doit discuter. Viens, on va en parler. Tu peux pas partir comme ça. Moi, hein? Je sais, je ne veux pas que tu m'insultes encore. Je vais partir. Peu importe. Prends-le comme tu veux. Je suis en train de te remettre à ta place. Oui. Oui. Et j'avais discuté avec ma femme quand tu étais parti. Ouais, on avait discuté à propos de l'argent des taxes. L'argent des taxes. Hein? L'argent des taxes. Cet argent doit être forcément collecté. Je suis venu juste te dire que les gens se demandent toujours à propos de la taxe. Est-ce que tu l'as collecté ou non? J'ai collecté 1 million ou quelque chose dans ce genre. Sois spécifique! Ne t'attends pas! Sois spécifique! Ok, je crois que j'ai collecté 1 million 200 000 naira. C'est un peu 1 million 200 000 naira. Oui, ça va aller. Ok, qu'est-ce que tu as à faire? En fait, je vais t'envoyer mon compte. Comme ça, tu vas mettre l'argent et transférer là-dedans. Transférer l'argent dans le compte de Maxwell? Cet argent est là pour résoudre les problèmes. L'argent est là pour aider les gens qui ont des problèmes. C'est pour aider les gens dans la société. Non, Majesté. Mais pourquoi tu dis que je t'ai dit de transférer cet argent dans le compte de Maxwell? Foutez, Majesté, c'est l'argent du royaume. Mais ne parle pas du royaume parce que je suis le roi de ces royaumes et je veux que tu envoies cet argent immédiatement. Sous votre respect, Majesté, je ne transférerai pas cet argent. Donc tu veux dire que tu ne veux pas faire ce que je t'ordonne de faire. Comment tu ne veux pas le faire? Je vais te montrer maintenant même ce que je peux te faire. Je suis le pouvoir incarné de ce royaume. Et je vais te montrer ce que je peux faire. Je suis Ubonubuchi. Et je vais te montrer ce que je peux faire. Je vais te montrer. À partir de maintenant, tu n'es plus Onowu. Tu seras un homme ordinaire. Attends, tu vas voir. Je vais te montrer qui est le roi et qui dirige ces royaumes. Non, mais Majesté, vous plaisantez, n'est-ce pas? Majesté, vous ne pouvez pas faire ça. Non. Je suis sérieux et je vais te montrer. Devant ma femme, je veux te montrer. Attends. Oui. Ok, je vais transférer l'argent. Je vais transférer pour vous rendre heureux. Très bien. Ok. Une bonne décision. Père. Père. Papa, je suis venu parce que mon compte vient d'être bloqué. Papa, dis-moi. Mais pourquoi? Tu es venu me demander, tu oublies que je suis le roi et c'est moi qui dirige. Oui. J'ai décidé de bloquer les comptes parce que tu ne peux pas prendre l'argent. C'est pour ces royaumes. Et tu dois respecter ma femme. Et ma femme en a décidé ainsi. Oui, père. Tu dois présenter tes excuses. Au cas contraire, ces comptes resteront comme ça. Quoi, père? Mon prince, vous devrez vous calmer. Écoute, la vie en dépend. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le juste. Cela n'aura aucune différence. Ah! C'est bon, d'accord. J'ai compris. Ma reine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Hein? Donc c'est comme ça que tu t'excuses à moi? Et crois-tu que c'est juste comme ça que tu dois être racheté? Écoute, laisse-moi te dire. La seule façon dont je peux t'excuser, c'est de t'agenouiller et d'embrasser mes pieds. Quoi? Oh non. Oui, vous m'avez... Non, tu vas le faire. Non, je vais t'étrangler, moi. Non, je vais te tuer. C'est comme ça que tu te comportes devant ma femme. Je vais te tuer, je vais t'étrangler. C'est à ma femme que tu parles comme ça. C'est à ma femme que tu parles comme ça. C'est à ma femme. Laisse-le. Mon amour. Mon amour. Laisse-les, s'il te plaît. Je te crois. Foutez, Majesté. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Ma femme veut que je te laisse. Tu veux me tuer. Est-ce que tu connais ce qu'il dit? Il dit que c'est impossible à ma femme. Comment est-ce qu'il peut dire qu'ainsi? Tu sais que ma femme, c'est une bonne personne. C'est la raison pour laquelle je te laisse. Père, tu connais ce qui est bon pour toi. Tu connais exactement quoi faire. Tu fais ce que ma femme te demande de faire. Et si cette personne mourait, ce n'est pas notre faute. Hein? Ce n'est pas notre faute.
Fais ce que ta mère t'a dit de faire. Père. Mon fils, tu refuses d'obéir à ta mère. Tu n'as plus aucune chance. Bébé, il n'a plus rien à faire. Entre dans la maison. Papa, papa, écoute-moi. Non. Il a failli m'étrangler à mort. Ce n'est pas possible. Ma reine, cette femme Ujako, elle a vraiment dépassé ses limites. Imagine, elle s'est proclamée comme étant la reine de ce royaume. Mmh. Bien sûr qu'elle ne peut pas le dire de sa propre bouche. Elle ne pouvait pas le dire. Mais toutes ses actions prouvent à suffisance qu'elle veut ta position dans ce royaume. Tu ne le vois pas? Alors, ma reine, si tu ne prends pas tes mesures contre elle le plus vite que possible, elle prendra ta position. Et très bientôt, tes sujets ne te verront plus comme la reine de ce royaume. Ils vont définitivement t'ignorer, je te le dis. Hein? Oui? Ibno Oma. Atali Godikam. Qui peut même essayer cela? Je mettrai cette personne en morceaux. Ok. Je ferai disparaître cette personne de ce monde. Ok. Par conséquent, je veux m'assurer que cette personne soit bannie de ce village. Ma reine, tu sais, ce n'est pas juste le temps de parler. Tu ne peux pas seulement parler et t'apitoyer sur ton sort. Mais tu dois agir. Hein? Juste prends tes mesures contre elle. Et peu importe la mesure que tu prendras, laisse-moi te dire maintenant, je te donnerai tout mon soutien partagé. Tu peux compter sur moi. Oui, je te le rassure. Et à ce qui concerne... Ijako. Ijako, peu importe ce qu'on l'appelle. Ne t'inquiète pas. Il y a plusieurs façons d'avoir ce qu'on veut. Ok. Je crois en toi, ma reine. Ah, tu es vivant, c'est... Hey. Venez ici. Approchez ici. Hé hey. Et c'est ce que vous faites. Rien, monsieur. Ferme ta bouche. Vous voulez qu'on vous vire dans ce palais? Non, non monsieur. Avez-vous couché ensemble? Non, monsieur. T'en es sûr? Oui, monsieur. Ferme ta bouche. Monsieur, oui? Tu dois me dire sincèrement combien de fois, au-dedans de toi, as-tu couché avec elle? Hein? Ouvre-toi et dis la vérité. Non, non. Non, monsieur, des fois. Approche ici, tu vois. Tu vois ce que tu fais. Tourne-toi d'abord, je vais voir. Idiote, il faut que je voie le soir. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon prince. Toi, disparais. C'est quoi ça? Tu veux partir? Rabat-joie, qu'est-ce que c'est pour? Tu ne peux pas voir une femme avec un homme autour de toi, hein? Oh gars, j'ai le sang qui coule dans mes veines. N'essaie plus jamais dans ta vie misérable de m'interrompre encore. Maxwell, il y a tellement de problèmes dans ce royaume. Précisément ici au palais. Et tu es là pour te manquer toi-même du respect? Est-ce que ça me regarde? Si elle est faite sur la montagne, toi et tes histoires, parlez aux dieux. Et si ton père ne peut rien faire pour ça, parle aux dieux. C'est eux qui vont éteindre les faits, pas moi. Après des jours, il a changé et il est venu au palais. De provenance de notre endroit. Elle a dit à ta sœur d'aller confesser à propos de son comportement. Maxwell, c'est pour ça que je suis ici. Il faut qu'on en parle. Toi et ta sœur, je sais que vous vous entendez bien. Essayez de la voir. Elle va te parler, elle t'explique. Et qu'on trouve un moyen d'arranger tout ça.
Mais parle à ton père, il te comprendra mieux. Ce n'est pas à propos de mon père, c'est pour moi. Mon père ne veut pas m'écouter. Donc à cause de cette voleuse, celle-là, l'idiote. Hein? Donc moi, je m'assois là, t'entendre parler du n'importe quoi ici. Hein? Les choses s'avancent avec la reine du village. Mais ils ont entendu que ta sœur doit aller se confesser auprès du grand sage. Est-ce que tu comprends cela? Et après 2 ans, tu vas aller devant les anciens et confesser tes péchés. Tout le monde peut le dire. Tout le monde peut raconter du n'importe quoi. Est-ce que ta tête fonctionne? Es-tu malade? Ah, Maxwell, je savais que tu vas trop parler comme toute autre personne. Je le pensais vraiment. Tu n'es pas mature. Tu es impossible. Ije Goudé et Mafoula. C'est possible et tu es mature. Quitte devant moi. Quitte de là. Je ne vais pas te voir. Regardez-moi ces chaussures. Oh, maman, merci pour les choses que vous m'aviez données. Et y mettre un peu d'argent que vous m'aviez donné. J'ai vraiment apprécié. Je sais que mes parents seront contents de partout où ils sont. Et je ne sais même pas ce qui serait mon sort si vous n'étiez pas là. J'ai vraiment apprécié. Izuki, mon enfant, viens ici. Assieds-toi. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu te bénisse aussi. Ainsi soit-il. D'avoir été une bonne fille. Et tout d'abord... Pourquoi alors un être humain a été créé? Si ce n'est pas montrer l'amour aux autres, juste demeure une bonne fille, ok? Merci. Ah, mon mari. Ma femme. Bon après-midi, maman. Tu es le bienvenu. Bienvenue, monsieur. Qui est avec toi? Je l'ai vue en cours de route. Elle m'a dit qu'elle était perdue. Igo. Et je l'ai amenée ici parce que je sais que tu peux l'aider. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Elle-même, elle va t'expliquer. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, je suis la seule fille de mes parents. Et ma mère est morte 5 ans passés. Et où? Au moment où je vous parle, mon père vient à peine de mourir. Ton père est mort pas si longtemps? J'ai mon oncle qui est très riche. Et où? Mais ne veut pas m'aider pour l'enterrer. Donc je dois l'enterrer moi-même. Hey, ça c'est vraiment mauvais. Comment il peut te dire quelque chose de pareil? Hein? Mon mari, comment on peut l'aider? Je ne sais pas. Raison pour laquelle je l'ai amené ici, je pensais que tu trouverais une solution à ça. Bien. Ça c'est vraiment un cas difficile. Mais je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est tout d'abord l'aider à enterrer son père. Et après cela, on ira se plaindre pour la femme qui a fait cette tarte. Et on verra comment ils peuvent nous aider pour te vexer tout ça. Oui. Oui, c'est bien comme ça. Ok, ma fille, c'est bon. Hein? Calme-toi. T'inquiète pas, nous sommes là. Tout se passera bien. Oh, viens là. Ah, ok, merci. Arrête de pleurer. Hein? C'est une petite chose. Hein? On verra bien quoi faire. Tu veux faire de cette parcelle une maison de refuge? Hein? Tu veux vraiment faire de cette parcelle une maison de refuge? Ça n'arrivera pas, oh. Cela n'arrivera que si vous osez passer sur mon corps. Hein? Quel genre de bêtise suis-je en train de voir? Hein? Femme, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hé, hey, tais-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Je dis tais-toi! C'est ton problème? Je dois m'occuper de mes affaires! Est-ce ton affaire? Mon mari! Mensonge! D'ailleurs, qui es-tu pour m'affronter dans cette parcelle? Qui es-tu, sage chômeur? C'est bon, elle s'adresse à moi et non à toi. Bien sûr c'est que bon, je m'adresse à toi! Faut pas la suivre, hein? C'est bon, allons-y. N'importe quoi! Allons-y, déplaçons-nous un peu. Allez-vous-en, hein? Allez-y! C'est bon. Écoute, très bientôt! Toutes ces criminels que tu as enfantés. N'importe quoi. Cette parcelle, un camp de réfugiés, cela n'arrivera pas. Tu ne mourras pas, oh. Idjakulu ne me tente pas. Tu ne mourras pas dans cette parcelle. N'importe quoi. Né, le prince de ce village est vraiment gentil. Plus que même son père et sa marâtre. C'est depuis quand que tu as remarqué cela? Ça fait déjà un moment. Tu apprendras à mieux le connaître un jour. Comment
Mais nous sommes si différents. Sous les yeux d'un humain, c'est oui. Mais les dieux en savent plus. Mais vous parlez en parabole. Je n'ajoute pas et je ne soucerai pas. Je dis seulement ce que les dieux m'ont mis dans la bouche. Je suis affamée. Va me préparer quelque chose. Ah, Oulo, un bon après-midi, ma reine. Comment tu oses te tenir là et saluer la reine de ce village? Tu ne réalises pas que je suis la reine de ce village? Laisse-moi te dire, Idiako, je ne sais pas quoi moi. Je suis la reine de ce royaume. C'est moi qui ai la position d'aimer toute personne dans ce village. Et non toi. Oh. Ne me pousse pas. Ma reine, je ne vois aucune chose mauvaise avec mon aide pour mon peuple. Je ne vois pas ce qui est de si mauvais en les aidant. Oh, tu ne vois pas ce qui est de mal en les aidant. Je parle et toi tu parles. Sois prévenu parce que je te laisserai plus recommencer. N'importe quoi. Bêtise. Qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde dans ce village? Pourquoi ils se mettent en colère quand j'essaie d'aider les gens? L'argent que j'utilise, c'est mon argent. Le temps que je gaspille pour leur montrer l'amour, c'est mon temps. Où est le problème? Je ne sais pas, mais aucune personne peut me stopper de faire ce que Dieu m'exige de faire. Je me suis encouragée moi-même pour montrer l'amour aux gens, jusqu'à ce que ça les dérange. Dieu au contrôle. Là. Oui, j'ai tout vu, tout vu. Combien dois-je te payer? L'argent. Votre Majesté, hein? Je t'écoute. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Votre Majesté, ma fille vient de m'informer avant de quitter le boulot. Elle était en route. Maxwell l'a violée. Il l'a violée. J'ai violé qui? Cette fille? Votre Majesté. On a un témoin. Quelle faiblesse! Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, Votre Majesté, je suis sûr que j'étais là. Mais c'est pas vrai. Le père de cette fille m'a poussé à mentir. Contre Maxwell. C'est pas vrai. Hein? Ah! Chibouzo! Voilà! Ah! Ah! C'est ça? C'est moi! As-tu fini? N'importe quoi! Ça n'a même pas de sens! Hein?
Dégage de ma vie. Tu n'as même pas d'importance. Je dois partir. Dégage. Tu t'es mis même là en train de parler. On y va. N'importe quoi. Mon Dieu va te punir. Mon Dieu va te punir. Ne revenez plus jamais ici. Mais, papa, pourquoi tu n'as pas pris en compte ce qu'ils viennent de raconter? Hein? Oui, et c'est ce que tu es en train de me dire? Père. Et c'est ce que tu as trouvé à me dire? Je ne veux plus encore t'entendre. Cette histoire est finie par là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dégage! Tu parles même. N'importe quoi. Désolé. Oh bébé. Ah! 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 Quand vous allez revenir, reviendra avec vos frères, hein? Pour prendre ça. Eddie, viens. Viens là. Après, hey. Ça va terminer si là, je te donnerai une autre, hein? Hé, hey, les enfants, partez. Je vous dis, sortez. Allez-vous-en. Idiako, qu'est-ce que tu donnes à ces enfants? Du biscuit, non? Biscuit? Biscuit, Idiako, biscuit. Idiako, pourquoi es-tu si méchante comme ça? Donc, comme tu n'as pas enfanté, tu veux prendre les enfants d'autrui? Tu veux tous les entraîner dans ta sale sorcellerie? Allez-vous-en, quittez d'ici. Sortez. Bougez. Hé, hey, non, laissez les enfants, d'accord? Ils sont des innocents. Qui est innophobe? Est-ce parce que ta sorcellerie est si puissante que tu veux les entraîner tous maintenant? Hein? Réponds-moi. Ujiko, réponds-moi. Pourquoi es-tu si méchante? Méchante, donne-moi cette chose. N'importe quoi. Tu veux ensorceler ces enfants. Et si tu ne réussiras jamais. Si tu voulais du biscuit, t'allais me demander. J'allais te l'acheter et l'apporter pour toi. Est-ce que le biscuit un problème? Donne-moi ce biscuit. Donne-le-moi. Mange-le. N'importe quoi. Si tu veux manger du biscuit, pourquoi pas demander qu'il crée du trouble? C'est misérable. Écoute-moi bien. Je veux que tu m'expliques exactement ce que tu m'avais dit à propos de Shoma, Unabo et l'autre. N'aie pas peur, ok? Je vous avais dit que je les avais vus tous les trois en faisant la chose. Ujiko peut me défendre. Est-ce que c'est vrai? Oui. Très bien. Est-ce qu'ils ont menti? Non. C'est évident que c'est la vérité. Vous, partez. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Est-ce que vous connaissez la grandeur de ce secret? Vous pensez vraiment que beaucoup d'argent... Là, tu peux concevoir ça proprement, sans que les gens s'en rendent compte. Nous sommes désolés. Hein? Nous demandons pardon. Et arrêtez-moi ça. Lorsque tu travaillais là, tu savais que j'étais là. Tu ne sais pas que... Approche ici. Regarde comme tu fais. Approche ici. Approche. Tu peux partir. Merci. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela? Kédi nous a nu pas en nous, messieurs.
combien est-ce que vous avez pris comme salaire? 5 000. Alors pour ce que vous avez fait, approchez ici. Vous allez commencer à me masser les pieds. Approche. Oh. Allez-y, ouais, il faut les faire. Je ne sais pas. Tu as même une douce main. Massez-moi très bien. Je ne vais pas avoir de mal. Est-ce que vous comprenez, Mina? On fera de notre mieux. Ah, mon prince. Bonjour, Né. Mes salutations. Cette façon de venir m'a trop fait peur. Espérons que tout va bien. Tu n'as aucun problème, Né. Rien du tout. Né, je suis venu présenter mes excuses. Désolé pour ce que ma belle-mère t'a fait subir. Je sais que tu n'es pas heureuse. Et je pensais que ce serait mieux que je vienne te demander pardon. Né, tu es une bonne personne. Je suis philanthropiste. Alors tous les comportements de mon père et tout ce que vous avez fait subir, je suis venu pour vous dire désolé. Nous t'aimons. Tu es quelqu'un de bien. Tu es gentil. Ok? Mon prince, merci beaucoup. Merci. Ta visite signifie beaucoup de choses. Et je suis vraiment heureuse. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai pardonné tout le monde. Je fais seulement le travail que Dieu m'appelait de faire. Mon don de partage ne veut pas dire que j'en ai beaucoup. Je me suis vue moi-même en donnant. Parce que c'est ce que je suis appelée à faire. Alors, je vous apprécie vraiment beaucoup, mon prince. Merci d'être venu. D'accord. J'apprécie vraiment. Je vous en prie. Merci. S'il vous plaît, restez-vous. Merci. Restez-vous. Je le ferai bien. Je dois partir maintenant. Que mon Dieu vous bénisse, mon prince. Qu'il vous bénisse aussi. Très bien. Au revoir. Au revoir. Bonjour, mon prince. Oh, tu es là. Au revoir. Bye. Bye. C'était vraiment des beaux mots. Hey. Je peux voir que certaines personnes sont tellement enflées d'orgueil. Mais juste pour te rappeler, ne permets pas à ta tête de devenir très grande parce que tu ne sais pas faire la différence entre ta gauche et ta droite. Tu dois aussi savoir que le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. N'en fais pas trop. Parce que si tu en fais trop, je t'assure, tu ne mettras pas dans un paquet, non? Si tu bois trop de l'eau, bien sûr, tu vas t'étouffer. Si tu manges trop, tu connais le résultat, c'est la constipation. Alors ma chère, ne t'inquiète pas. Juste ne t'inquiète pas encore. Philanthrope mon œil. Les seuls mots que j'ai pour toi est la pauvreté est une maladie. Et? C'est ce que je voulais te dire. Et? Je te souhaite le meilleur de sentir ce que je ressens. Regarde-toi. Est-ce que je parais pauvre? Je parais pauvre à tes yeux? Elle me parle de pauvreté avec ses légumes qu'elle cherche à cuisiner. Entre dans ma maison et regarde ce que j'ai dans ma cuisine, ce que j'ai préparé. Regarde-toi. Il n'existe pas de femme Jésus, hein. Il n'en existe pas partout dans le monde. Je veux commencer à te rappeler de ça. Le seul Jésus que nous reconnaissons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'unique que nous reconnaissons. Tu es la seule à tromper les gens que tu étais une philanthrope. Personne ne t'a donné ce titre. N'importe quoi. D'ailleurs, c'est toi la pauvre. Tes grands-parents, toute ta famille. D'ailleurs, vous êtes pauvres spirituellement. Et tu cherches à te comparer à moi. Suis-je pauvre? Tu es pauvre et tu es également une mauvaise femme. Sans enfant. Et tu veux aussi parler. N'as-tu pas vu mes enfants? N'importe quoi.
idiote. Et tu m'appelles pauvre? Ah, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, provise pour elle. Pour qu'elle puisse avoir au moins le mieux que moi j'ai. Donne-lui l'esprit que les autres ont. Pour qu'elle sente la paix et l'amour que moi je ressens quand je donne aux enfants privilégiés. Oh, Dieu, je te remercie de m'avoir donné la grâce de partager. Chiqué, quoi? Debout. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ta poitrine? Encore? Alors, s'il te plaît, lève-toi. Grande sœur, Oguine. Désolé. Ah, Oguine, qu'est-ce qu'il y a? Ma poitrine. Ah, viens, attends, on la soulève. Ah, va à l'intérieur. Je vais prendre ce médicament. Ah, laisse-moi laisser accoucher. Je reviens bientôt. Ok. Désolée, maman. Chiqué. Debout. Désolée. Prends ça, ça va te soulager. Hein? Prends ça, ça va te soulager, non? Hein? Mais prends d'abord ça, non? Hein? Bois ça. Ah. Miyako. Né, Miyako, qu'est-ce qu'il y a? Je suis finie, oh. J'ai perdu tout l'argent que j'avais sur moi. As-tu perdu l'argent? Et mon frère est en train de mourir. Ton frère? Oui. Hein? Il est où? À la maison. Nine, oui. Donne-moi quelques secondes. Ok. Allons-y vite. Ah, qu'est-ce que cela fait encore? Désolée. Oh, désolé. Ah, grande sœur. Hein? Ah, qu'est-ce qu'il y a avec lui? Ah, quand est-ce qu'il a commencé? Quand est-ce que cela a commencé? Déjà quelques jours passés. Et qu'est-ce que vous l'avez donné? Juste les herbes. Quoi? Les herbes. Qu'est-ce que c'est? Ok, ne vous inquiétez pas, je vais l'amener à l'hôpital. Laissez-moi faire un appel. Que j'appelle notre docteur de famille. Désolée. Allô? Allô? Alors, docteur, c'est Ida. Oui. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, j'ai un ami de la famille qui souffre. Je vais l'amener à ton hôpital et je ne sais pas si tu es au bureau. Ok, vous êtes dans votre bureau. D'accord, monsieur, on arrive maintenant. Je viens avec lui. Oh, merci beaucoup. Merci. Transportons-le ensemble, on va l'amener à l'hôpital. Hein? Allons-y. Je suis tellement content. J'apprécie vraiment ton acte. C'est une très bonne idée de venir m'en parler. Et je suis content. Tu as bien fait de m'en parler. En tout cas, c'est une bonne idée. La prochaine fois que tu te prépares encore, on doit collecter encore la taxe. Nous allons aller de partout et collecter ça. Là, vous avez une raison, votre majesté. En tout cas, c'est pour cela que j'étais placé là pour bien faire le travail. Alors, c'est lui qui va s'occuper de toutes ces histoires. C'est mon beau-frère qui est ici. Tu comprends? Ce que je veux est que tu ailles, tu collectes encore. Dites-leur qu'il doit encore donner beaucoup. Il faut ajouter encore beaucoup de choses. Je sais que tu es quelqu'un de confiance. Tu dois élargir le champ des recherches. Il faut que tu récoltes un peu beaucoup. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Rassure-toi qu'ils ajoutent encore plus. Tu sais que j'aime une bonne quantité. Hein? Il faut que ce soit beaucoup. C'est ce que moi je veux. Hein? S'il te plaît, rassure-toi que tu as bien fait les votre choses. Votre majesté, sous votre respect, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Mais honnêtement, vous ne pouvez pas m'appeler ici pour me remercier pour le travail que je fais pour notre royaume. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je t'ai dit que c'est moi qui dirige ce royaume. Hein? Devrais-je me tuer pour que tu comprennes? Non, c'est tout ce que je t'ai dit, c'est collecter la taxe.
Tu collectes une grande quantité. Hein? Ici, je suis au nom de ces royaumes. Tu as intérêt à les faire. Donc, vous vous contentez de cette production qui n'est même pas rentable. Oh, c'est ce que tu dis. Bon, moi, je te dis de faire quelque chose et tu refuses. Comme tu refuses de les faire, tu verras ce que je vais te faire. Si tu ne veux pas les faire, je vais te montrer que je suis le roi de ce royaume. Mais pourquoi vous ne voulez pas saisir l'opportunité? C'est une opportunité pour nous. Et ça sera comme ça. Et tu pourrais de travailler avec lui, oui ou non? Dis-le-moi déjà. Ça va, c'est pas grave. Je vais trouver une solution. Oui! Je vais travailler avec lui. Une bonne idée. Une bonne réponse. Vous devez travailler ensemble. Vous devez travailler ensemble. Et après le travail, et vous revenez ici. Igwe. Pourquoi tu veux toujours me compliquer quand je te dis de faire quelque chose? Vous devez maintenant partir. Allez-y. Mes salutations, Né. Qu'est-ce qui t'a pris du temps? Je me suis rencontrée Diakou quand je revenais. Et elle m'avait dit d'attendre. Elle était entourée de beaucoup de monde. Et Diakou est la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Elle est du descendant de ta famille. Mais ne lui dis rien du tout. Le moment pour toi d'être avec elle n'est pas encore venu. Je devrais vous apporter ce qu'il m'a donné pour vous donner. Oh oui. Alors, comment se porte ton frère maintenant? Il va bien. Oh, remercions Dieu. Juste après que tu aies payé son hospitalisation, et le docteur avait dit qu'il doit rester là encore quelques jours. Oh. Et nous devons apporter 50 000 naira. 50 000 naira? Oui. La honte ne m'avait pas permis de revenir vers vous. J'étais confuse. Je devrais aller au palais. Demander une petite somme à Igwe. Mais il avait refusé. Ah. 50 000 naira. Oui. C'est vraiment beaucoup. Pourquoi tu n'étais pas revenu vers moi? Hein? Je n'étais pas celle qui l'avait amenée à l'hôpital. Oui. Tu allais juste revenir vers moi, hein? Même si 50 000 naira, c'est beaucoup d'argent, mais j'aurais pu savoir quoi faire, hein? 50. Ah, ok. Ah, ne t'inquiète pas. Je vais appeler le docteur et lui supplier d'accepter 30 000 naira pour moi. Ou soit je lui fais un transfert de 30 000 naira maintenant. Et je vais lui demander de me donner un peu de temps pour payer le tout. Hey, hein? Nee, merci. C'est bon, ne me remercie pas du merci. Tout. Ton frère ira mieux. Merci. Je vais m'assurer qu'il aille bien. Merci. Je suis sûre qu'il continue à manger. Oui. Il mange bien. Oui. Bien, juste va-t'en. J'appelle le docteur maintenant. C'est mon ami. On sait quoi faire. Oh, juste va prendre soin de lui. Merci. Et arrête de te déambuler pour aller chercher l'argent. Hein? Merci. Je vais m'en occuper. Nee. Va prendre soin de lui. Hey. Hey, les merveilles ne finiront jamais. Juste regarde-toi. Non, regarde-toi bien. Hein? Tu es occupé à aider les gens. Tu ne peux pas devenir en aide toi-même pour ton problème de stérilité. Hein? Méchante femme comme toi. Maintenant, pense-y un peu. Es-tu sûre que tu n'es pas en train d'aider ces gens pour prendre leur destinée en retour? Mais oui, parce que je ne peux pas me conformer à ce genre de gentillesse. Parce que tu en fais tous les jours. Et c'est toujours pareil. Je ne l'ai jamais vu avant. Gonjo. Qu'est-ce que je t'ai fait ce matin que tu continues toujours à m'insulter? Ma soeur, tu peux te taire? Et même si je t'insultais, hein? Si je t'insulte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux me frapper? Je sais que tu serais incapable de le faire parce que je vais te tabasser en noir et blanc. Hein? Et tu es là à me demander pourquoi je t'insulte? Tu as l'audacité et le courage de parler pendant que je parle? Je te laisse parler, grand-mère. Ne t'inquiète pas. Permets-moi de te révéler un tout petit secret. Hein? Très bientôt, la reine de ce village, elle va te brûler plus que l'enfer si tu n'arrêtes pas ton affaire dedans. Et crois-moi, ma chère, quand cela arrivera, je serai la première spectatrice. Stupide femme. Je parle et tu parles. Je me prononce et tu as l'audacité de parler pendant que je parle. Qui t'a donné ces droits? N'importe quoi. Méchante femme.
Igwe, il y a un problème très important. Nous devons t'en parler. Le plus important à faire, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment avec ma femme. Alors quoi que vous ayez comme problème, ça doit attendre. Parce que ce n'est pas important. Votre Majesté, nous n'allons pas attendre. Attendez, attendez, que je finisse ce que je suis en train de faire. Hein? Ok, pas de problème, nous allons attendre. Il y a une chose que je ne comprends pas entre vous deux. Vous n'obéissez pas à ce que je vous dis. Vous devez être romantique avec vos femmes pour les rendre heureuses. Oui, vous devez prendre soin d'elles toute votre vie. Pour toute votre vie, vous devez prendre soin d'elles. Apprenez mon exemple. Apprenez mon exemple. C'est ça le problème. Votre Majesté, tu es censé écouter ce que nous sommes venus te parler au lieu de nous traiter comme ça. Je m'en fous. C'est ça qui est important pour moi en ce moment. Hein, ok, allons-y. Hein, partez. Votre Majesté, non, c'est pas normal. Depuis qu'on attendait, on était là en train d'attendre, mais vous ne venez pas. Hein? Qu'est-ce qui nous... Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Je vous ai dit d'attendre et non de revenir ici. Je ne vous ai pas dit de rentrer, je vous ai dit d'attendre. Votre Majesté, ceci est important. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas nous écouter? Hein? Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que je suis en train de prendre soin de ma femme? Ne vois-tu pas que je suis en train de prendre soin de ma femme? Que je la laisse comme ça? Hein, c'est ce que vous voulez? Donc, Votre Majesté, vous ne voulez pas nous entendre? C'est ce que je suis en train mais de dire. Mais on va attendre jusqu'à quand, Majesté? Hein? Vous devriez attendre. Attendez pour 20 minutes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Hein? Je vous ai demandé d'attendre et non de revenir. Allons-y. Hein, partez. Moi, je suis en train de prendre soin de ma femme. Partez. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Des gens méchants qui peuvent pas prendre soin de leur femme. Hein? Je vous ai dit, apprenez chez moi comment traiter vos femmes. Vous ne savez même pas comment prendre soin de vos femmes. Hein? Vous êtes qu'un genre d'homme. Oh, vas-y, doucement. Alors, là-bas, ok. Votre Majesté, encore? Je ne sais pas ce qui se passe ici. Tu refuses juste de nous entendre parce que tu penses que ça c'est plus important que ça? Mais Majesté, c'est au nom et l'ancien de ce royaume. On est venu te parler d'un problème très important. Ok, mon amour, je vais causer avec eux. Tu vois, je vais te revenir après que je finisse d'abord de causer avec eux. Après, je vais prendre soin de toi. Laisse-moi partir et entendre ce qu'ils ont à me dire. Et comme ça, je vais revenir et on va finir ce qu'on a commencé. Ah, bébé. J'ai vraiment sommeil. Tu veux dormir? Oui. S'il te plaît, ramène-moi dans ma chambre, je dois me reposer. Je vais le faire, mon amour. Je vais le faire. Vous l'avez entendu? Elle a sommeil et elle doit aller dormir. Alors, je vais la laisser dormir. Votre Majesté, c'est très important. Mais pourquoi? Le sommeil est très, très important. Vous devez apprendre cela. Ma femme a sommeil, je dois la laisser dans sa chambre. C'est vraiment très important. N'importe quoi. Hein? Mon amour, tiens-toi debout. Attention bébé, hein? Tu me suis, n'est-ce pas? Et tu veux te... que vous ne comprenez pas exactement quoi faire.
Maxwell, pourquoi on est ici? Je sais ce que je suis en train de faire. Et tu ne vas pas comprendre. Ma sœur, c'est elle qui sera la reine dans ce palais. Et tu dois l'accepter. Quel est le problème avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est tellement malheureux que tu puisses me parler de cette manière. Si tu avais vraiment eu une bonne assistance, tu n'allais pas te comporter de la sorte. Tu es en train de m'insulter. Tu comptes être le prince de ce royaume. Je suis heureux. Je suis tellement heureux. Et au-dedans de moi, je sais que je suis heureux. Oui. Regarde. Bien que je sois le prince de ce royaume, ça ne concerne pas la couronne. Maxwell, laisse-moi te dire quelque chose. La couronne ne sera pas donnée à une femme à cause de son caractère. Une chose que tu devais comprendre. Laisse ma sœur tranquille. Laisse faire ses histoires. Si tu l'interromps encore, je verrai quoi faire. Je vais te faire vivre un cauchemar. Maxwell, tu me traites ainsi dans la maison de mon père? Je ne fais que t'avertir. D'accord? Je vais faire comme si nous n'avons jamais eu cette conversation. Maxwell, au revoir. Dors bien, lâche. Comment m'as-tu appelé? Je t'ai appelé lâche parce que tu es un lâche. Maxwell, tu ne vas pas me pousser à commenter tes paroles comme tu veux que je fasse. Et ça ne sera pas du tout sage. Bonne nuit. Pars, prince. Pars. Prince. N'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Je n'arrive même plus à te comprendre. Tu ne réponds toujours pas à mes appels. Et tu ne penses jamais à me rappeler, même pour un seul jour. Hein? Je t'envoie un message. Mais tu ne réponds pas. Par hasard, si je t'ai fait quelque chose, cela ne me dérange pas de m'excuser. Ah, bébé. Il y a déjà longtemps que cette histoire tourne dans ma tête. Tout ce qui arrive dans ces royaumes, dans ces palais, sont en train de me dépasser. Et je me demande comment est-ce que je me sens comme ça. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Je t'aime toujours, ok? Je t'aime. Es-tu sûr? Vraiment sûr, jusqu'à mon cœur. Je t'aime. Oh, ma belle-mère, on doit la voir. Oui, viens, viens, approche. Oui, on doit la voir, viens. Bonjour. Mes salutations, ma reine. Voici ma petite amie, ma fiancée, ma belle-mère. Oh, ma reine. Hey, arrête-toi là. Retourne. Ça va aller. Sa fiancée, bienvenue. Hey, merci, ma reine. Ok, oh. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut pas t'en faire pour ça. Tu sais... C'est terrible. Et c'est vraiment terrible. Au moment où je te parle, ma reine, il y a vraiment beaucoup d'associations dans ce royaume qui sont prêtes pour donner à Ijeako leur voix. Tu sais ce que ça signifie? Non, dis-moi, tu sais ce que ça veut dire? Je vais te le dire. Cela veut dire que tous les soutiens que tu as portés à l'orphelinat et tous les privilèges ne sont plus reconnus par le peuple de ces villages. Nous savons tous que c'est Ijeako. Et tu sais quoi? Elle met de côté ta gloire, la gloire d'une reine. Cela veut dire que le peuple de ce royaume ne te reconnaît plus comme leur reine. Hein? Tu dois faire quelque chose à ce sujet. Et plus rapidement, serait mieux. Tu dois faire quelque chose et ne pas laisser cette femme te voler ta gloire. Merci pour l'information. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter.
Ne me remercie pas seulement. Mène des actions. Allons à l'intérieur, je vais te servir quelque chose. Alors fais quelque chose. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu as déjà? Je veux manger un peu de la royauté. Comment tu vas? Et comment se portent mes enfants? J'espère que tout le monde va bien là-bas. Je suis vraiment désolée que je ne vous ai pas visité pour le moment. Oui. Non, je me porte très bien. Oui. La raison de mon appel est juste pour te dire que à tout moment que tu veux quelque chose, si ça s'est fait que je ne te visite pas, alors appelle-moi. Je vais te l'envoyer. Hmm? À tout moment que les enfants veulent quelque chose, juste appelle-moi. Ok? S'il te plaît, prends soin de toi. Oui, 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 je peux t'entendre. Prends soin de toi. Et prends soin des enfants pour moi. Oui. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, merci. Prenez bien soin de vous. Tant d'amour pour les enfants. Oui. Je commencerai à t'appeler de temps en temps. Ok, bye bye, ma chère. Que Dieu te bénisse. Machi, nee. Le pouvoir que tu possèdes, c'est pour le bien et non pour le mal. N'oublie jamais cela. Oui, Ne. S'il te plaît, de temps en temps, faut revenir me voir. Machi, ma fille, les dieux ne peuvent jamais mentir. Un jour, tu seras devenue une lumière pour les gens de ce royaume. Si je m'en vais, vous irez avec moi. Machi, sache que très longtemps avant que je sois née, mon arrière-grand-père, Akida Mokala, a fait un pacte avec le Dieu qui doit lui donner une longue vie à la place de la courte vie qui lui a été destinée. Et en retour, lui et toute sa génération vont embraser la forêt de ses royaumes pour prendre soin des destitués et les oublier. Les dieux l'ont entendu. Et ils lui ont donné une longue vie. Et nous sommes sa génération qui parcourt toutes les forêts de ses royaumes. Machi, si j'avais quitté avant que ta maman soit arrivée, elle allait mourir avec toi entre ses entrailles. J'appartiens à cette forêt, Machi. Et je ne serai pas une partie de la désobéissance. Ça ira mieux avec toi, ma fille. Oui. Marraine, bonsoir. Es-tu stupide? Même si je t'avais prévenu, à tout moment que tu vois la reine, il faut t'agenouer. Et Marraine, tu te tiens debout. Pour ma hausse. Pourquoi je dois m'agenouiller à toi? Pourquoi tu ne peux pas t'agenouiller? Je suis la reine de ce royaume. Je le sais, ma reine. Mais je suis très assez pour être ta maman. Pourquoi tu m'obliges de m'agenouiller devant toi, ma fille? Ok, je suis désolée. Ma reine, que tes jours soient longs. Dois-je aller maintenant? Es-tu stupide? Es-tu stupide? Comment as-tu osé? Tu m'as giflé. N'importe quoi. Tu m'as giflé. Et je te giflerai encore. Garde! Arrêtez là! Maintenant! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ton visage a été ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari. J'étais sur mon chemin. Je partais quelque part. Et je me suis vue avec la reine. Après cela, j'ai salué la reine comme étant une supérieure à une jeune fille. Elle m'a regardée et elle a demandé à ses gardes de me frapper. Quoi? Juste pour le fait que j'ai refusé de m'agenouiller pour elle. Peux-tu imaginer? Hein, chérie, comment je peux m'agenouiller à une fille que je peux aussi donner une naissance? Hein? Comment puis-je m'agenouiller pour la saluer? Tu dis que les gardes du palais t'ont frappé? Ils m'ont frappé. Hey! Cette femme, elle en fait trop. Elle s'y prend pour qui même? Hein? Et c'est point pour qui? Elle pense qu'épouser le roi, qu'elle peut se comporter comme elle veut. Mais pourquoi elle peut se comporter comme ça?
Elle pense que peut-être si son mari c'est un roi, on peut rien faire. Hein? Hein? Je me mettrai sur ce trône et personne d'autre. Ma reine, y a-t-il un problème? Je déteste quand les gens commencent à m'espionner. Qu'est-ce que tu veux? Je pensais que mon père est là. Maintenant, tu as vu qu'il n'est pas ici. Qu'est-ce que tu fais? Vol. Je ne t'ai pas dit de marcher, je t'ai dit de voler. Vol! Excuse-moi. Connais-tu à qui tu parles? Je m'adresse à un enfant. Comment oses-tu? Vas-tu me battre? Vas-tu vraiment me battre? Tu m'as touché. Tu me tiens? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Je te mettrai en feu dans ce royaume. Va être très, très chaleureux. J'ai vraiment trop hâte pour ça. Ah, j'ai aussi hâte. Qu'est-ce qui se passe ici? Et toutes les deux, qu'est-ce que vous faites ici? Dégagez! Dégagez! Où est Massy? Elle est à l'intérieur. Massy! Massy! Qu'est-ce que tu fais même là à l'intérieur? Hein? Je voulais servir les anciens. Oh, voyons, dégage là! Et toi, regarde comment tu me regardes. Pourquoi tu es debout? Pourquoi tu es là? Hein? N'importe quoi. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici vraiment? Hein? La paix dans ce royaume. Je crois que tu comprends régner. Pourquoi je viens là doucement devant toi. Si tu ne veux pas que je te disgrâce devant ces enfants, tu ne vas pas aimer ce que je te ferai. Respecte-toi toi-même et va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Bon garçon, continue à marcher. Va, continue à marcher. Avec la chose qui se trouve entre tes jambes. Et vous, la prochaine fois quand je me réveille et que je vois aucun travail qui est fait, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous faire. Est-ce que je suis claire? Oui, votre majesté. Maintenant, dégagez! Bêtise! N'importe quoi! Bonjour, ma reine. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, je vais voir le roi. Moi et le roi, on est un. Alors, tout ce que tu veux lui dire, dis-moi. Sous votre respect, ma reine, j'ai appris que vous avez envoyé vos gardes pour tabasser ma sœur. C'est pourquoi tu es venu jusqu'ici? Oui, c'est pour ça que je suis ici. C'est juste ça? Je veux savoir ce qui s'est passé ici. Garde! Garde! N'importe quoi. Mettez-le hors de cette parcelle. Lâchez-moi. Maintenant. Lâchez-moi. Allons-y. Qu'est-ce que vous allez? N'importe les... quoi. Non. Lâchez-moi. Bêtise. Lâchez-moi. Ah,
ma chère voisine, ma voisine préférée. Qui est ton voisin? Tu sais, on ne peut pas être en querelle à tout moment. Tu sais, on peut remplacer cette querelle à une paix pour les bons voisinages. Hein? Pas à tout moment se chamailler des querelles. À tout moment, tu te chamailles avec ma soeur. Non, on peut enlever cette querelle et remplacer par la paix. Et je veux que qu'on soit gentil. Hé! Tais-toi! Tu veux que nous soyons quoi? Hein? Attends. Ces cauchemars que tu avais eu la nuit dernière, que tu étais poursuivi par des fantômes. On t'a dit que j'étais l'une des fantômes qui était en train de te poursuivre. Dans les rêves? Non, tu ne rêves pas. Tu as eu une très mauvaise nuit. Raison pour laquelle tu m'approches comme ça. Comment oses-tu? Comment oses-tu me parler avec ce genre de mots comme ça? Hein? Regardez-les. Des sorcières et des sorciers. C'est ce que vous êtes tous. Oh, tu as vraiment besoin de m'intégrer. Tu as vraiment besoin de m'intégrer dans votre sale association. Ça ne marchera pas. Tu m'entends? Ça ne marchera jamais. Tu veux que je baisse ma garde afin que vous puissiez empoisonner ma nourriture? Hein? Et comme nous sommes amis maintenant, qu'elle empoisonne ma nourriture pour que je meure? Je n'ai pas besoin de me faire des amis avec de méchantes personnes. Parce que vous êtes de mauvaises personnes. Mais je suis tellement angélique, non? Tellement angélique que je ne peux pas m'assembler avec vous. Écoute, laisse-moi t'avertir. Pour la dernière fois, parce que la prochaine fois que tu le feras, tu ne vas pas du tout supporter. En dehors de tout ça, je sais que tu es un homme mort. Hein? Et je pouvais te tuer ici. Tu sais vraiment ce que j'allais te faire? J'allais prendre tes yeux et les sortir de leurs orbites. C'est ce que j'allais faire. N'importe quoi. Comme tu es clair, est-ce que tu es capable de me faire ça? Hein? C'est ce que j'allais faire. Et tu es sérieuse? Tu veux te battre avec moi? Tu me défies? Tu as besoin de te battre avec moi? Dis-le. Oh! Tu veux te battre, hein? Bats-toi! 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 Viens me frapper! Mais reviens me frapper! Stupide homme! Idiot! Idiot! Et tu viens là? Tu veux faire la paix avec moi? Un sorcier comme toi! Stupide! Faiseur de peu mon œil! Oh non! Je ne suis pas heureux. Mon père ne me laisse pas vraiment les choix. À mon âge, je ne sais pas mon rôle dans ce royaume. Papa, je suis sur le point de devenir le prince héritier de ce royaume, comme étant le fils du roi. Mais à ma grande surprise, j'ai appris que mon père veut que sa nouvelle femme née au monde un fils qui deviendra l'héritier de ce royaume. Oh non, je ne suis pas content. Mon père me maltraite. Mon fils, j'ai bien compris tout ce que tu viens de dire. J'aimerais te dire quelque chose. Ton père a un sérieux problème avec sa femme. Comment ça? En tout cas, c'est le moment de trouver une solution pour notre royaume. Je ne le pense pas. À ma connaissance, ce n'est pas ordinaire ce que ton père subit. Ma prière en ce moment est que nous trouvions une solution pour arranger tout ça avant que ce soit trop tard. Ce que tu avais fait l'autre jour n'était pas si juste. Pourquoi tu avais giflé cette femme? La femme d'autrui. Et c'est quoi ton problème maintenant? Parce que c'est déplaisant et je ne peux pas tolérer cela. Ma chère, c'est mieux d'aller chez elle et t'excuser. Sinon cela te coûtera cher. Mais comment c'est moi qui paiera le prix? Et c'est toi qui s'inquiètes. Ma chère, s'il te plaît, va te reposer. Tu n'as rien à dire. Je laisse tomber ces problèmes et ne me mêle plus haut. Ne me dis pas que je ne t'avais pas prévenu quand cela arrivera.
ma très belle reine. Hey. Que fais-tu ici seule? Oh Manitia, mon bébé d'amour, la seule qui me reste, ma femme adorée, mon amoureuse. Je vois que tu es triste, mais qu'est-ce qui t'est mis dans ces états, mon amour? Parle-moi, qu'est-ce qui te tracasse autant? Non, tout va bien. Vraiment? Tu sais que peu importe le problème, tout va toujours bien. Mon amour, il n'y a rien qui puisse être plus important que toi. Je ne peux pas aller faire des réunions ou faire quoi que ce soit sans toi. Hein? Je ne veux surtout pas t'embêter. Vraiment, mon cœur est rempli vraiment de joie. Allons dans la maison. Oh. Ma chérie, je suis content. Approche, approche ici. Je ne veux aucune erreur. Ça doit être fait proprement et sagement. Vous ne devriez pas s'inquiéter pour ça. Donne-nous juste l'argent et le travail sera fait. La balance n'est pas un problème. Le problème, c'est l'exécution propre. Dites-nous juste où vous voulez que ce soit fait et ça sera fait. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais continuer. Je suis fatiguée. Je continue. C'est qui elle? Je ne la connais pas. Qui es-tu? Parle, sinon je vais te tuer immédiatement. Vous êtes tous les deux les démons. Votre temps est venu. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Hey.
Né. Qu'est-ce qu'il y a? Idiakou est morte. Idiakou est morte. Oui, elle est morte. La reine. La reine. La reine. Ramène-moi là-bas. Ma fille, j'ai beau réfléchir. Parce que ton peuple s'en fout si tu vis ou non. Je dois retourner dans ce royaume pour les revanches. Non, ma fille. Parce que le revanche, c'est pour le Dieu et non toi. Non! Non! Allô? Bon après-midi, papa. Je vais bien. Papa, le problème, c'est le prince. Oui. Papa, ce qui s'est passé au palais, c'est difficile. Il n'a pas resté. Il a décidé de partir. Oui, papa. Ok. Je vais t'appeler. Au revoir. Qui es-tu? J'ai dit qui es-tu? Arrête-toi là-bas. Qui es-tu? Et qui est ce stupide garde qui a fait tomber ceci? Non, non, ne les touche pas. Ne les touche pas. Et qui est cette chose? Une chaîne, je m'adresse à toi. Comment oses-tu tourner le dos à la reine de ces royaumes? Le sang des innocents est en train de crier au Dieu. Va chez les anciens et confesse. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mettez-moi cette chose hors de cette parcelle. Oui, votre majesté. Mon prince. Mon bonsoir, prince. Mon prince. Bonsoir, mon prince. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Mon prince, il y a quelque chose dont on veut qu'on discute. À propos de quoi? Mon prince, ce qui se passe au palais, on a peur.
Nous ne savons même pas quoi faire. Mon prince, ils veulent nous chasser un à un. Nous n'avons rien fait. Mon prince, s'il vous plaît, nous vous supplions. Aidez-nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est tout à fait normal. Merci, mon prince. Merci beaucoup. Merci, prince. J'ai compris tout ce que vous avez dit. Merci, mon prince. Croyez-moi, j'ai tout compris. J'ai compris. Écoutez, personne ne va vous chasser. S'il vous plaît, restez. À l'absence de mon père, je suis là. Vous tous qui êtes ici présents, je vous aime et je vous souhaite le meilleur. Merci, mon prince. N'ayez pas peur. Aussi longtemps que vous serez ici, il n'y a rien qui puisse vous faire peur. Nous avons compris. Calmez-vous. Ok? Tout sera bientôt arrangé. Merci. Je vous en prie. Continuez vos occupations et n'ayez pas peur. Et que signifie tout ceci? Que signifie quoi? Ne me parle pas ainsi, je vis toute chose. Si vous ne vous excusez pas maintenant, je vous dénoncerai chez la reine. Merci, s'il te plaît. Merci, je t'en supplie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je t'en supplie, on causait juste autre chose. C'est pas ce que tu crois, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Hein? Ne nous accuse pas. S'il te plaît, Mazé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu me demandes si c'est quoi mon problème? Hein? C'est tu me poses cette question? Je pars t'accuser chez la reine. Attends. Hey! Ah! Hey! S'il te plaît, ne me tue pas, s'il te plaît, je t'en supplie, ne me tue pas, ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas. S'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est ici, elle est ici. Qui? Elle veut me tuer. Qui? Qui elle est te ici, tuer? Elle est ici. Je ne vois pas de elle est ici, pas. Ne me tue pas, ne me tue pas, s'il te plaît. Ne me tue pas. Es-tu malade? Elle est là, elle est ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois personne ici. Qui? Elle a disparu, elle a disparu. Igwe, on l'a cherché partout, on l'a pas trouvé. Tu ne la trouves pas, tu ne la trouves pas. Écoute-moi, vous devez partir, la chercher partout, partout où vous voulez. Mais s'il vous plaît, vous devez la trouver. Cette personne est très importante dans ce royaume. Hein? Très important. C'est la seule manière qu'on aura la paix dans ce royaume. Vous devez impérativement la trouver. Hein? Je suis ici. Et je vous entends avec une bonne nouvelle. Je suis là en train d'attendre. Pars et apporte-moi une bonne nouvelle. Vous devez forcément la trouver. As-tu vu quelque chose? Non.
Où est-ce qu'elle peut être? Majesté, calmez-vous. Hein? Calmez-vous. Mais calmez comment? Comment tu veux que je me calme? Hein? Tu as une bonne nouvelle? Hein? Votre Majesté, hein? On l'a pas trouvée. Tu as fait quoi? Hein? Tu es tellement trop bête. Tu ne réfléchis pas bien. Rentrez et va la trouver. Pars! Si tu ne la trouves pas, ne reviens pas ici. Hey! Hey! Où est-ce qu'elle est? Amari, 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 tu es où? Toi, toi encore, tu as créé des troubles au palais et tu reviens encore. Tu as tué un enfant. Pourquoi? Osegine, donc si tu ne comprends bien, je vais te frapper. Je vais tu ne vas pas oser. Je vais te tuer. Ah! Une femme diabolique. Ton cœur est rempli de sang des innocents. Retourne chez les anciens du village et confesse tes péchés. Hé? Attends. Es-tu en train de t'adresser à moi? Non, réponds-moi. C'est à moi que tu t'adresses? Comment ose... Attends, tu la connais? Non. Comment oses-tu venir de nulle part? Et commencer par m'accuser que j'ai tué. Hein? Comment oses-tu? Sais-tu à qui tu parles? Et comme ce n'était pas assez, tu me demandes que j'aille au sanctuaire pour me confesser. À
As-tu perdu la tête? Non, 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 tu as perdu tes sens. Il est évident que tu es hors de tes sens. Et tu viens là pour m'accuser? Quelle bêtise! Ikechi, frappe-la! Belle-sœur, hein? C'est quoi cette chose dans sa tête? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oublie ça! Je suis là et je suis solidement derrière toi. Frappe-la! Frappe-la! Ah, mon prince. Prince Amefuna. Bonjour, Ezemo. Bonjour. En fait, les dieux sont heureux. Le fait que tu décides d'aller dans la forêt maléfique pour la paix, ils sont heureux. Va. Les dieux t'accompagnent. Merci, Ezemo. Non. Suis l'instruction. Prends ta gauche et avance. Ok, Zé. Tourne à gauche et continue de marcher. Je vis un humain. Oh, bonjour dame. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je viens de très loin. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi à localiser la forêt de Siekou, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Va-t'en de cet endroit maintenant et ne reviens plus jamais. Hé hey. Oh, s'il vous plaît, je ne peux pas partir. Je dois trouver cette forêt, sinon mon peuple va périr. Et je ne veux pas non plus qu'il périsse. S'il vous plaît, je ne veux pas que ça arrive. Je dois trouver cette forêt. Hein? S'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin.
pour le bien de mon peuple, s'il vous plaît. Je peux me sacrifier pour que mon peuple vive. Aidez-moi juste. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il faut que je trouve cette forêt. S'il vous plaît, ne dites pas non. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Ma fille, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qu'il y a? Le prince du royaume d'Obidike est ici. Le prince d'Obidike, comment? Quand? Il est à ma recherche. Il est venu te chercher. Il est venu te chercher. Vous êtes en amour? Parlez-moi, ma fille. Oui, maman. Ne te perds pas. Il y a une différence entre l'amour et perdre. Ne me déçois pas. S'il vous plaît, les dieux de nos ancêtres, s'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi. Ce lion veut me dévorer. S'il vous plaît, aidez-moi. Merci les dieux de notre terre. Il est parti. Thank you.
Prince Ahamefuna, tu continues toujours d'être dans cette forêt jusqu'à cette heure de la nuit. Cela montre que tu es déterminé pour chercher la paix. Pousse! Nora. Né. Qu'est-ce que nous allons faire pour enlever toute cette calamité? Je suis désolé. Peut-être que j'ai posé la mauvaise question. Né. Es-tu la mère de l'étrange dame qui était dans notre village? Quelque chose de grave s'était passé. Merci. Masi, je suis tellement désolé. Je suis profondément désolé. Je sais ce que tu ressens. La vie de notre peuple est dans tes mains. Et je suis désolé pour tout ce que... pour tous les problèmes que tu as vécu. Tu es une bonne personne. Si je savais que tu étais dans cette forêt, j'allais venir bien longtemps. Tu es la seule qui peut résoudre les problèmes dans notre village. Merci, s'il te plaît. Je t'en supplie, je suis désolé. S'il te plaît, aie pitié. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, la vie de notre peuple est dans tes mains. Pardonne, s'il te plaît. Massi, tu ne veux pas m'écouter, s'il te plaît, oh le Dieu de notre terre. S'il te plaît, Massi, reviens. Ah! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un peut-il tomber amoureux d'une personne venant de la famille qu'il déteste? Oui. Mais surtout, faut pas te battre. Et si tu es accepté, c'est mieux. Personne ne combat l'amour. Ou soit tu finiras par te détruire toi-même. Mati. Mon prince, tu es un homme gentil. Mais je ne pardonnerai jamais à ta belle-mère et le royaume tout entier. S'il te plaît. Non. Ce n'est pas bien un homme à s'agenouiller à une femme. Lève-toi. S'il te plaît, Machi. Pardonne et oublie le comportement de ma belle-mère. S'il te plaît, je t'en supplie. Ça ne sera pas bien que tu nerves devant tout un royaume. À cause d'une seule personne. Hein, s'il te plaît, aie pitié de moi. J'ai tellement souffert dans cette forêt. S'il te plaît, donne-nous juste une chance. Je t'en supplie. S'il te plaît, pardonne-nous. Elle le fera. Viens. Thank you.
depuis les années. Je suis en communion avec les dieux de ce village. Depuis longtemps, les dieux ne répondent plus à cause de la sœur. Idiaku est en danger. Et tout le monde le sait. Elle est en train de les détruire. Hey! Oh! Il y a du sang dans le ciel. Il y a du sang dans le ciel. Et tout ce qui se passe, tu ne dis rien du tout. Comment oses-tu? Comment oses-tu de me parler de cette manière? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Qu'est-ce qui t'amène ici? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? En fait, je ne comprends pas ton rôle. Je ne comprends pas. Tu as été banni depuis longtemps. Tu as été le meilleur ici et le bon. Tu étais strict et sage comme un Ezemo. Et tu es venu me dire que tu es spécialement venu chez moi. Tu n'as plus rien à me dire. Votre Majesté, vous ne parlez pas à un vieil homme. Vous parlez à Ezemo de notre royaume. Peu importe, je suis le roi. C'est moi qui ai le dernier mot et c'est moi qui décide ici. Qu'est-ce que tu me racontes? Votre Majesté, qu'est-ce qui se passe? C'est de la sagesse. Les dieux répondent. Notre Igwe a un problème. Igwe, tu es lié et tu es bloqué. Tu n'as pas raison. Qu'est-ce que tu racontes? Tu mens. Regarde-toi comment tu es. Tout ce que tu racontes, c'est du mensonge. Tu mens. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Oko Sisi. N'importe quoi. C'est quoi ça? Oko Sisi. Réponds-moi. Viens. Libère les rois. Libère les... Ah! Igwe. Igwe, votre majesté. Igwe. Qu'est-ce qu'il y a? Igwe. Pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Votre majesté. Notre majesté. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Notre majesté a fait quoi? Notre majesté est morte. Qu'est-ce qui va avec elle? Est-elle malade? Majesté, ma femme était morte. Il y a de cela beaucoup d'années. Alors de quoi parle-t-elle? Et je n'ai jamais songé d'épouser une autre femme. C'est quoi ça? Ai-je épousé une autre femme? Votre Majesté, je ne comprends plus rien. C'est une longue histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons entrer à l'intérieur et on va en parler. Elle était venue au palais. Et c'est comme ça qu'il entre dans la maison maintenant. Ok. Tu es maintenant délivré. Bienvenue dans notre terre. Majesté venue.
Les dieux sont sages. Et ils sont contents pour toi. Mm-hmm.